Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Web Press. Cette émission où nous recevons les chevaliers de la plume qui viennent décortiquer avec nous de fond en comble l'actualité en République démocratique du Congo. Une actualité marquée par d'abord le retour du président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tshapwe, qui a foulé le sol quinois. C'était hier, vendredi, aux environs de 13h. Il est arrivé, il a fait sa possession de la capitale pour enfin être reçu ce samedi par le président de la République. Pendant que nous sommes en train de parler, aux dernières nouvelles, Moïse Katumbi était déjà au Palais de la Nation, pas seulement lui. On signale la présence de Baba Kyungu Akumanza au Palais de la Nation, mais aussi de l'autorité morale de la FDCA, Bahati Lukwebo. Les trois personnalités vont être reçus aujourd'hui, si pas déjà reçus, pendant que nous sommes en train de faire cette émission. Et autre information, c'est la retraite du FCC a démarré en ce jour au niveau de Safari Beach, mais on nous informe l'absence de Joseph Kabila qui devait ouvrir ses assises, mais qui ne s'est pas pointé. Mais bon, il y a du monde, il y a de la présence, des gens sont déjà là à Safari Beach pour réfléchir. Réfléchir sur quoi? C'est des questions que nous allons poser aux brillants invités qui vont avoir le temps d'étoffer leur argumentation, si pas, comme les Français disent, d'expurger la bile de leur foi. Premier invité, Eric Wemba, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter Tchani. Comment ça va? Tout doucement, surtout que nous sommes dans une phase cruciale de l'histoire de notre pays, où plus que jamais le Congo doit s'affirmer comme république. Une république qui a des institutions qu'on respecte. Une république qui a un seul président de la République. Non pas l'impression qu'on nous donne qu'il y aurait un Ayatollah, le véritable président Kinshasa, et un autre président délégué au Palais de la Nation. D'accord. Ce bicéphalisme-là, la tête de la République. Ça dérange. On doit y mettre fin. Plus que jamais. D'accord. Nico Faye Mbikaï, bonjour. Bonjour, estimé. Bienvenue, Nico Faye. Tu viens de l'Est avec la première dame, ça s'est bien passé? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité. Je dois dire que du 5 au 10 du mois passé, il y avait une campagne qui avait été organisée, la 11e édition de l'opération contre les enfants ayant la malformation faciale, que Mme Olive Lembe avait financé au niveau de du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette campagne s'était très bien passée. Il y a eu 52 familles et 52 malades qui ont été soignés. Et cette campagne. Elle a soutenu, a payé pour que le médecin national et étranger aille à Goma pour soigner les enfants ayant la malformation faciale. Non seulement ça, mais la mission a commencé par Goma. Elle a chuté dans la ville de Kamituga à 225 km du chef-lieu de la province du Sud Kivu, là où il y avait éboulement de 52 Congolais. D'accord. Alors, il fallait assister ces Congolais-là. Okay. Il a assisté plusieurs écoles. Il fait beau de l'autre côté. Oui, là, il fait frais. C'était la première dame. Et là, il fait d'abord, il pleut presque tous les jours. C'est frais. Écoutez, ne voyons pas l'aspect philanthropique de la première dame rurale, Olive Lembe. Nous parlons des faits. Nous parlons des faits. Oui, merci. Je te complimente que tu es récalqué là. Moi, ce qui est important pour moi, c'est quoi? C'est que le message passe. D'accord. Qu'est-ce qu'on a été faire là-bas? Okay, c'est-à-dire, il fallait. Elle a aussi appelé, c'est vrai, au respect de la Constitution. Elle a demandé au chef de l'État de respecter la Constitution. Elle n'a pas appelé au chef de l'État de respecter la Constitution, mais le respect de la Constitution, tout le monde doit s'en approprier. Est-ce qu'elle en a parlé? Elle a rappelé à la population congolaise que la Constitution doit être respectée. En quoi cela est-il un péché? Qui a dit que c'était un péché? Mais alors pourquoi en faire un problème? Au contraire, vous devez me poser la question sur la mission, d'accord, sur les aides qui ont été données. Plus de 10 000 kits ont été donnés aux nécessités. Et allez, bonjour. Bonjour Tchani. Comment tu vas, mon frère? Je vais très bien. Je salue Eric Wemba et Nico K.
qui revient fraîchement de la tournée politico-humanitaire de l'ex-première dame. Je suis content de le revoir en aussi bonne mine. Voilà. Merci. On est là. Alors, je reste avec et allez, Moïse Katumbi a foulé le sol congolais hier. Aujourd'hui, il a adressé un message pour dire un grand merci aux Quinois d'être venus nombreux l'accueillir. Quel sens peut-on donner à cette arrivée de Moïse Katumbi à Kinshasa, cette sens avec cette foule du côté de la Tchango? Bon, Moïse Katumbi est celui qui est dans la moka resté le plus cohérent. Je me souviens au lendemain des contestations qui étaient quasiment normales vu la façon dont les résultats ont été publiés. Mais Katumbi a dit des choses et dans la suite de temps, on observe qu'il est resté cohérent. Il a dit, je le cite, qu'il fallait que ses amis de Lamuka aillent voir le président deux jours. Le jour qu'il atterrit à Lubumbashi. Le jour qu'il atterrit à Lubumbashi. Et dans les relais de ses opinions, là je cite M. Mwando, il a dit Félix est un frère. On ne peut pas taper sur lui. C'est-à-dire, entre le bicéphalisme qui s'était installé au sommet de l'État, il est clair que la position de Moïse Katumbi a toujours été de soutenir celui qui était, il n'y a pas encore longtemps, son frère d'armes. Ils ont partagé cette volonté de déstructurer le système Kabila. Et aujourd'hui, que le président, ayant fait volonté de bonne foi vis-à-vis de son prédécesseur, rencontrant les limites de cette coalition, le président jugeant maintenant bon de passer outre, Moïse Katumbi, qui est resté cohérent, ne pouvait que répondre à cet appel. Et fort heureusement, il a été bien accueilli. Je dis fort heureusement parce que cela semble déranger certaines personnalités politiques. Quand vous êtes dans une structure, même si vous ne partagez pas la même approche, moi je me souviens que quand Martin Fayulu était là à Lubumbashi, le fief naturel de Moïse Katumbi s'est déplacé pour l'accueillir. Mais à cette époque, il y avait déjà des frictions entre les deux. Parce qu'ils avaient déjà des points de vue diamétralement opposés, déjà. Mais cela n'a pas empêché Moïse Katumbi d'aller à l'aéroport, de l'accueillir et de lui réserver un accueil chaleureux. Mais on a été surpris de voir de la part de M. Fayulu cette petitesse d'esprit, même pas un tweet de bienvenue à celui, il est un secret pour personne, celui qui a contribué financièrement, non seulement financièrement, mais en donnant des hommes, de la matière grise. On avait vu au premier rang Père Sonam, Pierre Lumbi, qui était directeur de campagne. Moïse Katumbi n'a pas donné que en matière financière, il a fait don de soi en donnant à M. Fayulu de la matière grise, des hommes, pour l'accompagner dans cette lutte qui était bien avant de les contestations, mais de cette campagne électorale. Moi, j'ai été un peu, somme toute, sidéré. Vous avez été le seul candidat à avoir mis le polo 4 de Moufayulu. Donc, voilà. Mais cela ne dérange pas simplement... Mais bon, Bemba envoyait des gens... Peut-être que Martin Fayulu aussi était empêché ou était préoccupé à autre chose, parce que j'aurais appris qu'il y aurait un meeting, peut-être, de Fayulu le jour qui vient. Bon, je pense que... Peut-être pas dramatiser aussi. Non, je ne dramatise pas. Je narre les faits. Mais Martin Fayulu n'est pas la seule personne que cela a indisposé. Je suis d'avis aussi que cela a indisposé au plus haut point celui que moi j'appelle maintenant le nouveau Leopoldo du Congo. Celui qui... Monsieur Kabila. Nouveau Leopoldo du Congo. Le nouveau Leopoldo du Congo. Je l'avais donné le nom d'Ayatollah, mais maintenant j'ai l'impression que ces gens... Pourquoi est-ce qu'il serait dérangé de la venue de Moïse Katumbi? Mais, vous avez la mémoire courte. Ce n'est pas Moïse Katumbi qu'on a stoppé à la frontière de Kasumbalesa par la volonté de qui? Par la volonté de qui? J'ai même ouï dire que dans le fameux accord qu'il y avait entre M. Kabila et M. Félix, Kabila avait insisté pour que M. Katumbi ne foulât pas ses pieds au Congo. Premier revers, Katumbi foule les pieds à Lubumbashi
et la goutte d'eau, il atterrit avec fracas à Kinshasa. Pour celui qui l'avait appelé Judas, ça doit déranger. D'accord. Nicofane Mbikaï, Kabila a perdu son sommeil, il faut d'avoir vu le nouveau Léopold, hein, comme l'appelle, et aller d'avoir vu Katumbi atterrir avec fracas, je pense ces mots, à Kinshasa. Oui, avant toute chose, je dois procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 1149 jours pour la fin de mandat. Nous en sommes à 506 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État et 247 jours depuis que COVID s'est déclaré officiellement au Congo. Nous disons 1149 jours pour la fin de mandat. Mandat du... Sur les papiers, je vois aussi Bras Congo, 6000, 3000. J'en viens. Je vous le dirai. 1149 jours pour la fin de mandat du président de la République, du Parlement, des assemblées provinciales et des gouverneurs de province. Que chacun fasse sa part. Okay. Les gouvernants cherchent les moyens pour que les élections soient organisées. Mais ma question demeure, combien dans le budget... Oui, ça, c'est mais mon budget. Peuple m'a dit, monsieur le procureur, vous le faites bien, mais c'est mieux que vous le fassiez aussi dans les langues nationales. La télévision, c'est le temps. J'avais même vu que la réalisation m'a fait signe. Oui. Donc, Moïse Katumbi est arrivé, Kabila a perdu son sommeil. Bon, vous savez, je suis d'abord abasourdi, estomaqué et éperlué de constater que près de 200 après le régime de Kabila, on continue toujours à parler Kabila. Moi, je me pose la question, que se serait-il passé s'il y avait pas eu élection, si Kabila était encore resté au pouvoir, avait brigué un troisième mandat, comme Ouattara en Côte d'Ivoire. Les discours auraient-ils changé ou bien on serait toujours sur le même rythme? Nous nous posons la question. Nous tous ici avons des enfants. Si on nous pose la question, nos enfants nous ramènent un devoir à domicile. Papa, donne-nous le nom du président de la République. Je donnerai quel nom? Papa, donne-nous le nom du président de la République, président de l'Assemblée, le premier ministre, du Sénat. Pourquoi vous ne pouvez pas oublier Kabila? Moi, je pense que c'est peut-être le fait d'être à court d'inspiration. Mmh. Parce que les gens ont basé leur discours sur le nom de Kabila. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire... Il voit Kabila pareil. Partout. Mais je me pose la question. Ici, on continue. Ici, le programme des 100 jours, les sautes-moutons ne sont pas terminés jusque-là, c'est Kabila. D'accord. Le programme des 100 jours, les routes qui ont été asphaltées, rafistolées ici, c'est Kabila. Mmh. Mais lorsqu'on arrête Kabila, là, ce n'est pas Kabila. D'accord. Écoute, est-ce que nous ne pouvons pas voir le pays? La question, c'était le retour Katumbi. Réaction. Oui, Katumbi, moi, je suis que Katumbi, c'est un Congolais. Il a fait un voyage d'une province à une autre. En quoi, dans une action politique, c'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que le peuple va gagner? Vous avez posé la question de Bras Congo. Dans le chef-lieu de la province du chef de l'État, la Bras Congo vient de mettre la clé sous le paillasson. Une bouteille de bière en Mbujimayi, c'est 6 000 francs congolais. Un sucré, c'est 3 000 francs congolais. Voici les greffiers, m'ont dit procureur. Près de 2 ans ne sont pas payés. Tous les greffiers de la République démocratique du Congo qui ont eu la matricule en 2018 ne sont pas payés. Pourquoi? Et on ne les repaye pas. Par qui? Par l'État congolais. Qui est dirigé par qui? Par Antoine. D'accord. Il est en coalition avec Kabila. Écoutez, mais moi je dis, le président de la République c'est Antoine. D'accord. Les greffiers ne sont pas payés près de 2 ans. D'accord. Vous allez à la SNEL. Ils m'ont dit, monsieur le procureur, ici à la SNEL, on n'acquise pas les arriérés, mais on nous paye au taux de 92. Trouvez-vous normal? Au moment où il y a un taux Kotanakati qui nage entre 20 et 21... Et à la SNEL, on va la payer, ils font qu'elle travaille. Mais tout ça, vous voulez qu'on aille demander à qui? Il y a un PC à qui est dit. Vous voulez... Maintenant, aujourd'hui, écoutez, avec Mobutu, c'était Mobutu le mal. Laurent Désiré. Kabila, maintenant on dit c'est le PC qui est mauvais, Antoine n'est pas mauvais. Vous voulez prendre mon peuple pour qui? Okay. Vous avez cherché le pouvoir. Ouais. Vous faisiez tuer les gens ici. Oh, Kabila dégage. Mais il a dégagé. Le problème c'était Kabila, non? Aujourd'hui le problème c'est qui alors? C'est Antoine. Réfléchissons par analogie. Comme Laurent Désiré était mauvais, Mobutu était mauvais, Kabila était mauvais.
Aujourd'hui aussi, c'est Antoine qui est. D'accord. Je suis étonné. Oui, oui. Mon frère Brian n'y connaissait même pas qu'en logique formelle. Réfléchir par analogie n'est pas un bon raisonnement. Hein, il faut quand même que nous remettons nos cours. C'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit, c'est Kabila peut-être qui réfléchit par analogie, mais ce n'est pas un bon raisonnement. Mais ici, je suis quand même étonné parce que Nico a fait quand même la propagande de la mission politico-humanitaire de Mme Olive. Parce que nous avons eu l'habitude à un moment donné dans ce pays de confondre ce qui est droit à un don. C'est-à-dire, vous voyez, on a tellement clochardisé ce peuple. C'est que pendant 18 ans, on aurait dû leur donner comme des droits. Parce qu'on a été première dame, première conseillère de quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. Ce qu'on devait donner aux Congolais comme des dons, des droits fondamentaux parce qu'on dirige l'État. On les transforme à des dons. Je me souviens, Monseigneur Mosengwasi, une des plus grandes erreurs de notre société. Et je suis étonné que dans cette entreprise, qu'on emballe des garçons aussi brillants comme Nico Faye pour des miettes. Pendant que ceux-là ont pillé cette République, nous avons des rapports qui viennent de partout, comment l'argent de ces pays a été pillé. L'ONATRA, on est en train de pleurer parce que des ports privés sont plus alimentés, là où, ça devait, là où l'État devait jouer son rôle. Partout, des passeports, si on vous parle du contrat Similex, vous allez voir à l'intérieur comment la famille Kabila a ruiné ces pays. Et ce qui devait être donné pour des Congolais comme des droits sont aujourd'hui transformés en des dons. Moi, je suis désolé quand il dit qu'on a construit l'hôpital. Non, Kabila, qu'est-ce qu'il donnait? Parce qu'il a dirigé ces pays. La différence, peut-être, qu'il ne sait pas entre Kabila et Tshisekedi. Au temps de Kabila, Kabila était la seule source du pouvoir. Il avait l'impérium, il avait la majorité au Parlement. C'est ce qui fait défaut à Tshisekedi. Moi, je ne l'exonère pas. Mais Kabila, il faut poser la question, j'ai couvert les parlements depuis 2011, qu'est-ce qu'il accordait au budget concernant la santé? 5%. 5%, c'était ça, mon taux d'exécution, c'était dans les 2%. J'ai dit, mais la santé des Congolais. Et tout ce que nous avions dans les santé, on devait attendre des partenaires. Mais j'aurais bien voulu que la première dame, à cette époque-là, demande à son mari de donner assez, de contribuer à ce qu'on donne assez, un budget consistant. Je vais arriver là, à la santé. Donc Kabila, nous avions hérité, allez voir Mamayemo. Allez voir Ngaliema. Ah, ma femme m'a chanté, Mamayemo. Oui, allez voir Mamayemo dans quel état où il y a des rats qui rentrent partout là-bas. Vous ne savez pas dormir. Mais non. M'a dit, pourquoi ça n'est pas. Et vous êtes là. Non, Maman Olive va inaugurer une affaire privée. Voilà comment l'État est affaibli. Pourquoi ils n'ont pas arrangé Mamayemo Ngaliema? Parce qu'ils ont eu à diriger ces pays pendant 18 ans. D'accord. Quand il dit que pourquoi Kabila est présent, est-ce que saviez-vous encore que dans ces pays, Maman Bobi Ladawe est vivante? Elle a aussi été première dame. Pourquoi elle est effacée? Qui nous attendons, on ne peut pas dormir. On emballe des journalistes. Goma, Kamituga, tout ça. Moi, je crois que des gens qui bénéficient de ces dons-là doivent pas venir se servir de ces plateaux pour faire de telles propagandes. La République, les Congolais n'ont pas besoin de ça. Les Congolais ont besoin qu'on travaille pour leur bonheur, qu'on mette des structures, qu'on donne assez de budget pour la santé, l'éducation. Et non pas prendre leur argent, les transformer. C'est comme si je viens voler ton argent. D'accord. Et je viens te le présenter comme un don. C'est une insulte. Retour pour le peuple congolais. Et je suis désolé que mon frère, un brillant combattant, ce soit aussi, fasse aussi un virage à si ça. Tu avais réussi l'appel, tu serais parti. D'accord. Non, je ne serai jamais parti. Je n'ai pas besoin de cet appel. Nico Faye. Je n'ai pas besoin de cet appel. Moïse Katumbi, c'est l'air des libertés qui souffle dans ce pays. Ah. Je suis un des témoins oculaires. J'ai été à Lubumbashi. Tu avais voyagé. Je suis allé à Kumbalesa, où l'armée de Kabila nous a empêchés d'entrer. Où on a empêché à celui que lui, il appelle citoyen congolais. Que les maris de la dame dont il vient d'accompagner ont qualifié des zambioco italiens. Katumbi, ce qui est dramatique, nul ne peut être apartheid. On lui a refusé l'accès dans son propre pays. Il se retrouve dans les frontières. Les agents de l'immigration désertent. Katumbi n'est pas pu entrer sur son pays. On disait qu'il avait des problèmes avec la justice. Mais il vient, au lieu de l'arrêter pour nous amener cet acharnement. On peut tout dire. Quand je vois que Katumbi, lui, veut banaliser ça, ça souffre l'ère des libertés. Notre combat doit continuer pour la démocratie. Les Congo, Kabila n'est pas propriétaire de la RDC. Il a certes réussi un mandat ici, de la manière où nous savons qu'il est arrivé au pouvoir. Il doit tout au Congo. Nous ne le devons rien parce que nous l'avons vu venir quand même dans ces pays, Joseph Kabila. Moi, je l'ai vu venir. Aujourd'hui, il a eu ce qu'il a eu. Il doit laisser ces pays tranquilles. Il est là, Kabila n'est jamais parti. D'accord. Et je suis étonné, je vais ajouter quelque chose. Ce qui m'a plus révolté, Kabila parlait devant ses troupes du FCC, je ne sais pas si vous avez suivi, à Kingakati, où il dit, celui qui ne connaît pas les deals, vienne ici, les Saint-Thomas, moi je vais vous montrer un deal. Donc, il insulte vis-à-vis d'un peuple. Nous qui allons voter, Kabila veut dire,
que pour devenir pour vous président, il faut signer un deal. Même si tel était le cas, est-ce qu'il appartenait vraiment à quelqu'un qu'on présente, entre parenthèses, comme partenaire, comme artisan de l'alternance à la République démocratique du Congo de dire ça? Il faudra que le peuple congolais puisse arracher son pouvoir. D'accord. Et les arracher entre les mains de ces bourreaux, de cette bourgeoisie compradore de la Kabylie. D'accord. Alors, je reste avec, pour le deuxième sujet, parce que j'avais commencé avec y aller. Deuxième sujet, c'est les consultations commencées. Pendant les consultations, le PPR, les FCC, en retraite à Safari Beach. Pendant ce temps, Maurice va nous laisser les images. On m'informe déjà que le Baba Kyungu vient d'être reçu par le président de la République, Kyungu Akumanza, pour qui j'étais conseiller en communication quand il était président intérimaire, non, président provisoire à l'Assemblée nationale. Voilà. Le Baba Kyungu qui est là, qui a communiqué, qui a été reçu par le président de la République. D'un côté, les consultations, de l'autre, le FCC qui fait bloc. Retraite, déjà, Kabila a parlé de la résistance. Vous dit, comment on va avancer? Nous sommes dans un combat. C'est pourquoi moi, j'ai dit, ce n'est pas que je suis totalement d'accord avec Félix Tshisekedi. Vous le savez, dans ces plateaux, j'ai été dire sur certains dérapages de sa gouvernance. Mais dans une République, il y a un seul président de la République. Cette fonction, pas Tshisekedi, mais la fonction président. Dans une république, on doit respecter ça. Ce que les FCC fait aujourd'hui démontre qu'on ne respecte nullement l'institution présidente depuis que Félix Tshisekedi est là. Tenez, comment on peut accepter un individu qui est devenu sénateur à vie? Il vient au palais du peuple, on déroule un tapis rouge. Tout le monde va là, les Tambou et Mwamba, pour les saluer. Félix veut venir au palais du peuple. On donne l'ordre de cadenasser les palais du peuple. Personne là, on a coupé même l'eau et les courants. Mais je crois qu'avec ces consultations, Félix à l'unique occasion de l'histoire de s'affirmer comme le seul président de la République démocratique du Congo. Un véhicule, pas des chauffeurs. Comme l'avait dit Moïse. Comme l'a dit Moïse. Nous avons ici, on peut dire qu'il n'est pas là, mais qui se considère comme Léopold D. Je l'ai dit tantôt. Oh. Le Congo est sa propriété privée. J'ai rejoint vraiment et allé. Quand Kabila a dit qu'il a signé un deal, donc ça veut dire que demain, si on y prend garde Peter Tshani, Kabila peut t'appeler là-bas à Kingakati. Non, je vais te faire président, j'ai fait un deal. On s'en fout des Congolais. Les Congolais qui se déplacent, des millions pour aller voter, pendant que notre ami a fait ses décomptes, là, ça ne sert à rien. Ici, dans ces pays, notez que c'est Kabila qui décide. Et Chader a même confirmé ça, que les votes ne vaut rien. Alors qu'on nous fait un débat sur la constitutionnalité, sur l'illégalité des actes posés par Félix Tshisekedi. Donc tout ça, c'est de la Chader, il dit, c'est lui qui contrôle la CENI, la Cour constitutionnelle, à tout. Voilà, pendant plus de 3 élections, comment est-ce qu'on a confisqué les pouvoirs du peuple congolais? D'accord. Et nous refusons qu'un groupe d'individus puisse continuer à contrôler les modes d'accès au pouvoir dans ces pays. Les consultations nationales, j'ai vu que les gens du FCC, mais je vois qu'ils commencent à faire des couvertes. C'est devenu irréversible. Et c'est comme, je ne sais pas, les bateaux de Noé. Vous qui lisez mieux la Bible que moi, c'est lui qui n'entre pas. Et c'est lui qui n'entre pas. Il va se noyer avec... Il va se noyer tantôt à Kamituga, avec la première dame. Nico Fambikay, d'un côté c'est les consultations, de l'autre c'est la retraite. On dit que ceux qui ne prendront pas place à bord, ils vont se noyer à Kamituga. Réaction. Je n'ai pas entendu une analyse. On a cité les noms des gens plus de 20 fois. Je me pose la question. On est venu ici pour citer les noms, mais on est venu pour analyser. Aucune analyse. Vous devez vous mettre en tête que le premier pays au monde fort économiquement, financièrement, c'est Washington. Et c'est aux États-Unis qu'il y a plus de philanthropes. Qu'il y a plus de philanthropes. La philanthropie n'a pas une origine congolaise. La femme de Bill Clinton, elle a une fondation. La femme de George Bush Walker, Laura, a une fondation. La femme de Bill Gates a une fondation. Lorsqu'on parle fondation dans les États, il faut on table en termes de moyens. Mais moi, je me pose la question. Êtes-vous du Satan ou bien êtes-vous des dieux? C'est-à-dire, la Bible nous recommande que celui qui a deux chemises donne une à l'autre qui n'en a pas. En quoi ça vous gêne lorsque l'ancienne première dame Olive Lembe aide les gens, les nécessités? Elle fait le travail que l'État aurait dû faire. En plus, vous dites ceci. Vous dites que non, un voyage humanitaire. Écoutez, s'il vous plaît, vous n'avez pas été sur les lieux. Si vous dites ça, dans ces milliers-là, on vous l'habiterait. On vous le parce que, finirez-vous, mon frère. Quel peut être l'état d'âme? S'il vous plaît, je ne vous ai pas dérangé. Vous pouvez me sécuriser? Je te sécurise.
Quel est l'état d'âme de cet enfant qui a 22 ans, ayant la malformation faciale, et qu'il y a une bienfaitrice qui vient, qui paye le médecin étranger pour que la face de cet enfant soit arrangée, et que vous, là, vous êtes à Kinshasa, aigri de vous-même, et que vous dites que non, non, en quoi cela est mal, s'il vous plaît. Consultation. Et de deux, vous me demandez, moi, le bilan de Kabila. Les gens qui sont bien placés pour justifier le bilan du sultan, c'est Moïse Katumbi, plus de 10 ans comme gouverneur, il a co-géré le pays. C'est comme Mouzitu a co-géré le pays. C'est comme Bahati a co-géré le pays. C'est comme Jean-Pierre Bemba était a co-géré aussi le pays. Vous demandez ça à moi? C'est vous et vos chefs, non? Vous avez été dans cette gestion. S'il vous plaît, vous prenez mon peuple pour qui? Je suis là pour restituer la vérité. C'est comme Tshibala aussi. Tshibala, Avdor aussi, je suis fier aussi. Avec qui tu as travaillé? Écoutez, moi je n'ai jamais été à la primature. Oui, mais tu as exigé de l'argent. Je n'avais jamais été à la primature. Mais pourquoi tu as exigé? Tel que vous êtes là, lorsque vous écrivez, vous déposez vos factures, non? Vrai ou faux? Quand vous prestez, nous à la presse écrite, lorsqu'on fait les services, on dépose la facture. Mes factures n'ont jamais été honorées. En ville, on vit des services. Tu as dit que tu t'as enroulé. Non, il m'a très bien baisé. Écoutez, je ne le nie pas. Il n'a pas honoré mes factures. Consultation. Non, il faut qu'on réchoue la vérité. D'accord, consultation. Vous dites ça. Consultation. Nico, consultation. Consultation. On va payer pour vous dire la consultation. J'ai avec moi ici la constitution de mon pays. Très bien. Je m'en vais vous lire l'article 3. Parce qu'on parle état des droits et on a fait tuer les gens pour l'état des droits. Point 3. De l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Très bien. Les nouvelles institutions de la République démocratique du Congo sont oui. Le président de la République, le Parlement, les gouvernements et les cours et tribunaux. Nous sommes dans quel système politique? Nous avons le régime semi-présidentiel. Dans le monde entier, que les gens prennent les stylos, oh. Dans le monde entier, nous avons trois systèmes classiques. Le régime présidentiel, qui a comme modèle dans le monde entier Washington. Le régime semi-présidentiel, qui a comme modèle dans le monde entier Paris. Le régime parlementaire, qui a comme modèle dans le monde entier Londres. Mais nous, ici, nous sommes inscrits dans la logique de semi-présidentiel. Lorsque le président de la République, qui est élu, qui bénéficie de la majorité à l'Assemblée, c'est lui qui forme le gouvernement. S'il ne bénéficie pas, c'est la cohabitation. Alors, ça, écoutez, ça devient la co-gestion. C'est-à-dire, le DGR. Et que les gens se mettent en tête que le président de la République ne doit pas donner des injonctions au Parlement. Pour nous, moi, qui avons étudié l'État dans sa globalité. Dans le régime semi-présidentiel, dans le régime de séparation des pouvoirs. Le président de la République n'a pas des injonctions à donner au Parlement. Où est-ce que vous voulez en venir maintenant? C'est pour vous dire quoi? Moi, je me pose la question. Le respect dont vous parlez, entre guillemets, là, le respect, c'est-à-dire, chacun doit exercer dans les limites de ses prérogatives. Vous n'avez le droit de bloquer l'Assemblée nationale, de fermer les l'eau, comme l'a dit ici. Écoutez, il y a séparation des pouvoirs. S'il vous plaît, la séparation des pouvoirs, c'est quoi? C'est que le Parlement fait. Le président de la République ne peut pas s'y mixer. Et par rapport à ce que lui a dit. Moi je suis dans la science. Lui, il dit ce qu'il raconte, mais moi, je suis dans la science. C'est-à-dire. Moi, je suis dans les faits. Non, si, moi, je vous dis la science. Ce que le Parlement fait, le président de la République ne peut pas s'y mixer. D'accord. Moutatissi moutandi pour le Parlement. Très et bien. Ce qu'on a vu dans ces pays, que le président de la République convoque le juge de la haute cour pour parler avec sur les décisions de justice. Ça, ce n'est pas l'état de droit. Fembeke, qu'est-ce qui s'est passé entre Joseph Kabila et Vital Kamerhe quand Vital Kamerhe s'était opposé à la situation de l'Est? Ah, vous dites très bien. Le président n'était-il pas ingéré dans la situation de l'Assemblée nationale? C'est pour cela, il y a un grand travail que je dois faire au Congo. Quoi? Quel est le travail? Pourquoi? Joseph Kabila, en son temps, avait la majorité à l'Assemblée. Président de la République. Quand il y a la majorité à l'Assemblée, il n'y a plus séparation de pouvoir. Écoutez! Quand le président qui est élu a la majorité à l'Assemblée, s'il vous plaît, écoutez. Attends, je te suis, non? Oui.
Lorsque le président de la République a la majorité à l'Assemblée, oui, donc il n'y a plus séparation de pouvoir, il donne des injonctions. Il y a, écoutez, comment celui qui a la majorité à l'Assemblée, c'est-à-dire celui qui est à l'Assemblée, travaille en collaboration avec le président, non? C'est-à-dire il y a des injonctions en ce moment-là. Écoutez, mon frère, c'est-à-dire, si le président qui est élu, ça c'est scientifique, qu'il a la majorité à l'Assemblée, en ce moment-là, l'Assemblée et le gouvernement lui sont acquis. Ça veut dire qu'il donne maintenant des injonctions. C'est-à-dire qu'il collabore. Il collabore. De quoi faire un bicaille? Oui. Tu as dit que c'est scientifique, on doit rester scientifique. Oui. S'il collabore, donc le président a la majorité à l'Assemblée, c'est le gouvernement, c'est lui, le cours des tribunaux, c'est lui, donc il donne des injonctions. Non, pas le cours des tribunaux. Bon, il s'arrête à quel niveau de donner les injonctions? Voilà. De ces trois institutions politiques, le président, le parlement et le gouvernement, si le président a la majorité à l'Assemblée, c'est son Assemblée. Si, alors, et c'est son Assemblée là qui forme, qui désigne le Premier ministre. En ce moment-là, le président devient fort. Mais dès lors que le président est dépourvu de la majorité à l'Assemblée, mes frères, mettez-vous en tête que le président de la République n'est plus un monarque. Lorsque les choses ne vont pas bien dans le pays, ouais, qui est responsable? Écoutez, les responsabilités sont partagées. Non, vous avez dit Antoine au début. Je dis ceci. Le Vous avez dit Antoine au début. Lorsque vous avez dit quand le Bracondo là-bas, vous avez dit Antoine. Oui. Ça veut dire que quand Antoine voit que ça ne marche pas, oui, n'est-il pas en droit de pouvoir changer les choses, de changer comment? Comment, mon frère? Vous avez fait jouer les gens. L'état des droits, c'est caprice. Ne pensez pas que le président tel qu'il est là, il peut se réveiller un matin, chasser ma bunde. Ça ne se fait pas. Qui a dit ça? Non, qu'est-ce que vous voulez me faire croire? Le président de la République ne peut pas se réveiller dans ce contexte, révoquer le Premier ministre. Donc, les consultations? Les consultations, ça, ce sont des pratiques mobusiennes hein, que nous avons assisté vers la fin... Non, ils se sont droits, ils vers la fin de communiquer. Vers la fin des années 89, où Mobutu avait initié les consultations nationales, et d'ailleurs, Mobutu avait fait la ronde du Congo. D'accord. Mais ici, on voit que les consultations ne se font qu'avec une poignée de gens. D'accord. Je me pose la question, en quoi ce que vous faites, Isidim, ceux des Tchinchang sont concernés? Ceux qui sont à Kamituka sont concernés en quoi? Ceux qui sont en Libengue, attention. Mais les députés, mais vous les avez abandonnés? J'ai l'impression que... Non, c'est celui qui a la police, ici, on est la matière. Vous pouvez juste les députés. Les cadres idéal pour qu'un député siège, ce ne sont pas aller sous les arbres, c'est le Parlement. Merci. Ou soit qu'il y ait une réunion interinstitutionnelle. Merci. Au-delà de ça, c'est l'anarchie. Merci. En tout cas, Patrick, elle a le droit d'avoir ces 5 minutes parce que... Non, même 10. Parce que... Mais 5. Allez, non. Je sais qu'en 5 minutes, tu vas... Non. D'abord, la raison n'a pas besoin d'être criée fort. La raison se dit avec tempérance. Vous le dites si bien. Quand on crie, ça devient mécanique. Il faut être tempéré. Vous avez vu, vous m'avez d'ailleurs aidé, comment il s'est plongé dans un capharnaüm de contradictions. Oh. Tenez, il a cité la responsabilité des présidents qui sont passés. Kabila, Mobutu, Mbeki. Mbeki, sans exception de lui, il n'y avait même pas de constitution. Il était lui-même la constitution. Il a installé, comment on appelait ça, le parlement d'antan... Assemblée constituante. Kabila avait concentré tous les pouvoirs à telle enseigne que même celui qui devait nettoyer les toilettes à la commune était nommé par la volonté de Kabila. Je dis bien par la volonté. Les bourgmestres. Même les chefs de rue. Les chefs de rue, tout. Kabila, il a dit si bien. Il avait la majorité. Il concentrait le pouvoir. C'est-à-dire, il était seul répondant du bilan. Au jour d'aujourd'hui, dans son élan des contradictions, il a dit lui-même qu'on est dans une co-gestion. Dans cette co-gestion, il y a M. Kabila qui a une majorité. Cette majorité dont est issu le Premier ministre. Le Premier ministre qui est de la famille politique de M. Kabila. De tous les présidents qui sont passés, à l'exception de Kasavubu Lumumba, nous nous retrouvons encore dans une forme, il a si bien dit, de co-gestion. Sauf que quand il veut faire le sophisme pour le besoin de la cause, pour se faire entendre, pour que la dame philanthrope, alors que même qu'on ne maîtrise pas les notions de la philanthropie n'est pas synonyme de Robin de Bois.
pour ceux qui sont instruits, ils savent ce que fait dire Robin de Bois, c'est-à-dire voler ici pour donner là. Ce n'est pas la philanthropie. Je ferme cette page parce qu'on n'est pas venu parler de la tournée politico-humanitaire. Je n'ai jamais vu une présidente d'une fondation humanitaire s'adresser à la population en des termes politiques. Jamais vu, nulle part au monde. Nulle part au monde. Où vous avez vu, j'en oublie le nom, une opération humanitaire où vous avez celui qui tient le micro qui demande au respect de la Constitution. Non, il fallait simplement dire que nous étions en propagande pour préparer je ne sais quoi. Maintenant, M. Leopold II, il a lui-même, je m'excuse pour eux, mais malheureusement, je n'ai pas d'autre nom. Quand il a appelé ses vassaux, dont l'une, députée, devant micro, dit « Son Altesse, Sérémissime, Excellence, Autorité Morale, Guide Suprême, je ne sais pas si ça, c'est au micro. Au micro, député de son État. Et M. Kabila, où on veut nous faire croire ici que le personnage n'est plus dans l'espace politique, était bel et bien là et a pris parole. Et il a dit ceci. Et je partage son constat. Il a dit que les choses ne marchaient pas. Que depuis qu'il est parti, il y a l'insécurité qui ne s'est pas améliorée, il y a le social qui ne s'est pas amélioré. Il a fait le constat qu'aujourd'hui, tous les bords politiques partagent. Mais ils se sont limités à faire le constat. Mais après avoir fait des constats, on doit faire des propositions. C'est quoi leur proposition? De l'autre côté, on a fait les mêmes constats, que les choses ne marchaient pas. Je dis bon, comme les choses ne marchent pas, j'ai fait une proposition. Je vais consulter les forces représentatrices. Et au bout, il a si bien dit, je n'écarterai aucune option. Parce que le chef de l'État, même si ses marges de manœuvre sont réduites du fait qu'il n'est pas la majorité, et cela doit être dit et très bien dit pour que le sophisme qui est dit ici ne manipule pas les opinions. Il y a aujourd'hui une co-gestion. Et le chef de l'État constate que dans cette co-gestion, les choses ne marchent pas. Parce que les uns et les autres qui sont en coalition n'ont pas la même vision et ne partagent pas, et le président Kabila l'a dit, ne partagent pas les mêmes valeurs. Que doit-il faire? Le président de la République? Oui. À mon avis, soit, pas soit, parce que déjà, la coalition est déjà rompue. Vous ne pouvez pas continuer avec une coalition où vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Cela a été dit aussi. Il faut rompre la coalition. Mais non, il ne faut pas rompre. La coalition est déjà rompue. Ça n'existe plus. Il ne faut plus parler, il faut rompre. La coalition est rompue. Maintenant, le président a la latitude de se trouver une nouvelle majorité. Si cela est possible. Si ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'il y a? Si c'est pas possible. Au bout du compte, il n'arrive pas à avoir cette majorité, il fait quoi? Si il n'arrive pas à avoir la majorité. Prend Bahati, prend Maurice Katumbi, Il n'a pas de majorité. S'il n'a pas de majorité, mais les faits sont là, ils doivent aller en cohabitation. Parce que à quoi ça sert? Même si on me rappelle dans une manière discourte, inélégante, Kimbatse, quand il faisait le théâtre avec Mangobo. Voilà, quand on est dans un débat civilisé, on doit s'empêcher de faire j'allais utiliser un terme qui allait le calmer, mais je comprends qu'il s'est calmé lui-même. Je suis quelqu'un d'élégant. Le temps passe. Je suis quelqu'un d'élégant. Je ne supporte pas la bouffonnerie des à bas étage. D'accord. Quand il parle, même quand il raconte des choses qui ne tiennent pas la route, je l'écoute poliment. Maintenant, je reviens à ce que je disais. Oui, pour en finir. Pour en finir, on a remarqué que le camp d'en face, depuis les 6 minutes de discours, ils ont eu à peu près 15 réunions qui se soldent maintenant par... Maintenant, ils sont en retraite. Mais qui se soldent maintenant par une retraite. Mais des 15 réunions qu'ils ont eues, incapables d'annoncer une décision. Incapables. Ils ne sont que dans les constats. Mais ils devaient s'assumer. D'autant plus que c'est eux numériquement qui ont la majorité. Sans les députés des cash. D'accord. Le FCC, qui juridiquement n'existe pas, mais on conçoit qu'ils se sont formés, se sont constitués, ils ont une majorité numérique. D'accord. Ils pouvaient, ayant fait le constat que les choses ne marchaient pas, ils pouvaient tirer les conséquences d'eux-mêmes. Pourquoi ils attendent l'issue des consultations? Ok. On nous fait signe qu'on est à la fin, ce sera
Une minute à chacun. Non, moi je n'ai pas parlé là, oui, parce qu'il y a trop de contre-vérités ici de la part de Nico Faye. Quand il dit que la consultation, c'est une monarchie, c'est une dictature, Mobutu l'a fait. Je lui rappelle qu'en France, le président Félix Tshisekedi, dans son discours de 6 minutes, a soulevé quelque chose d'important. Le salut du peuple et la loi suprême. C'est pourquoi dans les nations civilisées, quand il y a des problèmes comme en France, les problèmes du terrorisme ou les problèmes des gilets jaunes, quand Macron ou Hollande a fait appel à la classe politique française pour une consultation, pour que nous formons l'union sacrée contre des fléaux qui ravagent notre pays. Pourquoi on n'a pas appelé cela la dictature? Ici, il y a l'insécurité à l'Est, que nous avons hérité de Kabila, avec des Kungyung ou Gédéon et consorts. Il y a une situation économique calamiteuse. Après 18 ans d'une gestion du pays calamiteuse, avec une famille qui est devenue plus forte que l'État, et vous vous empêchez au chef de l'État d'appeler aux consultations nationales. Et ça, je vais en finir là-bas, quand il parle que donc, on a appelé, on donne l'argent, il y a une fondation de Bill Clinton. Là-bas, tout est retraçable. Les Américains savent combien Clinton paye à l'État. Les Américains savent combien Clinton paye à l'impôt. Nico Faye, tel qu'il est dit là, il peut nous dire aujourd'hui les salaires de Kabila. Kabila ne payait pas l'impôt ici, dans ces pays, y compris ses députés. Ils ont pris l'État congolais comme leur propriété privée. Comme les Léopold II, ils ont pillé ces pays systématiquement. D'accord. Ne faisons pas de l'amalgame. Notre pays, voilà ce que vous soutenez, Nico Faye. Le médecin quitté en 1960, nos médecins étaient sollicités à l'étranger. Les gens quittaient l'extérieur du pays pour venir se soigner ici. Quand Maman Olive, après que son mari a rendu le système sanitaire congolais défaillant avec 5% du budget, d'accord, pense que pour soigner notre fille là, on doit faire appel à un médecin étranger. Et c'est ce qui est soutenu. Je crois que de plus en plus, quand on parle des tomates de Maman Olive, on perd des repères à un moment donné. Ce n'est pas des choses bien consommées, j'ai comme l'impression. Nico Faye, une minute. Vous avez constaté que les amis étaient étouffés. Hein? Aucune analyse encore. Aucun argument. Comme toi non plus. Ils sont mis qu'à citer les noms. Écoutez, je vous ai dit ceci. Moi, je ne suis pas là pour justifier les 18 ans de Kabila. Moïse Katumbi est mieux placé pour justifier 18 ans de Kabila. Sesanga est mieux placé pour justifier. En quoi? Il était ministre. En quoi? Dans ce pays sous Kabila. Oh, mais... Écoute, je vous dis, Bahati est mieux placé. Moussitou est mieux placé. Tchibala est mieux placé. Et Maman Olive. Olive n'a jamais. Vous pensez que Sesanga fait justifier la première conseillère de la République? Attendez. Bill Clinton, magicien budgétaire, était président. N'avez-vous pas vu sa femme échouer aux élections? Question. Venez ici avec les analystes scientifiques. N'amenez pas les discours de Fepodi. Vous courez derrière Maman Olive. N'amenez pas les discours de Fepodi. Tous les présidents qui sont sortis par la grande porte, leurs femmes ont des fondations. C'est moi qui ai la parole. Kabila est sorti par la grande porte, demain sa femme a une fondation. Payez l'impôt. S'il vous plaît. Payez l'impôt. Mais vous avez l'état de droit, non? Nico. Votre état de droit, il l'arrête. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Fécondi, c'est allez ça. L'arrêter. Fécondi, c'est ça. C'est que tu fais, c'est ça qu'on appelle Fécondi. Tu cries pourquoi? Parce que je voulais te poser la question. Chacun a son tempérament. Non, mais c'est Fécondi qu'on crie. À la télévision, on parle. Pourquoi tu as porté plainte à notre frère Laurent Onyemba? Oui. D'abord, j'avais déjà juré de ne jamais... Maurice va nous accorder juste 3 minutes en plainte contre quelqu'un. Parce que, oui, sur ce plateau, tel que nous débattons là, on n'entre pas... Je ne me suis pas venu ici pour exhiber ma vie privée. Oui, pourquoi tu même, on n'a pas assez de temps, il y a eu des propos diffamatoires. Quels propos? Primo, j'ai insulté le chef de l'État au Congo, il n'y a que moi, et Lumba, là, qui a insulté le chef de l'État, il a dit sur votre plateau, Secundo, il a commencé par dire que je ne suis pas journaliste. C'est pour cela que je ne suis pas journaliste, mais qu'il aille prouver que je ne suis d'accord. Pas journaliste. Alors, tu n'as pas l'impression que tu t'es servi de ce plateau que je t'invite pour régler les comptes à quelqu'un? Ça, ce n'est pas régler les comptes. A contrario, mon frère. Moi, je suis un homme de dialogue, à contrario. Nico Faye. Oui. Les laits, ça, se lavent en famille. Justement. En commençant par condamner. Justement. Les fauteurs. Nico Faye, pourquoi ne pas m'appeler moi, Tiani, dans cette question, avant que tu n'ailles en justice, pour que je puisse régler ce problème qui s'est passé. Peut-on parler après l'émission? Parce que. Non, peut-on parler après l'émission? Merci. Je voulais quand même te faire la remarque. On va parler. D'accord. Mais utiliser mon émission. On va parler. C'est moi qui dirige l'émission. Parce qu'il y a une plainte. On m'a saisi et les gens se sont plaints. Utiliser mon émission pour porter plainte. Ça m'a dérangé. Ce n'est pas... On va en parler après l'émission, mais j'aimerais que
qu'on retire cette plainte et que tout peut se régler. Mieux vaut même un mauvais arrangement qu'un bon procès, cher ami. Il va retirer. Je ne jamais amener les gens au procès, ce n'est pas bon. Je voulais vraiment que tu, avant que je ne te donne la parole et aller, je sais que je vais te donner la parole, mais je vais aussi dire aux Congolais que nous avons été reçus par le président de la République. Je faisais partie de la délégation des journalistes. D'autres seront reçus. Je crois que parmi vous, il y en aura aussi qui vont figurer. J'ai parlé avec le président de la République, fidèle téléspectateur. Je crains d'avoir eu l'impression que le Félix Tshisekedi d'hier et celui d'aujourd'hui sont désormais deux personnes différentes. Je l'ai dit à la télévision. J'ai rencontré le président de la République. Les gens savent que on ne donne pas de l'argent là-bas. Et je suis difficilement corrompu. Mais le Félix Tshisekedi à qui je parle, que j'ai entendu, moi, je peux dire aux Congolais que je crains que le Félix Tshisekedi d'aujourd'hui soit très différent de celui d'hier. Peut-être qu'avec le temps, beaucoup me donneront raison. 30 secondes, on termine. 30 secondes. Bon, je suis seulement curieux. On nous reproche d'avoir cité les noms, mais quand on donne la parole pour analyser, on nous parle de l'ex-première dame. Bon, apparemment, on était venu faire sa propagande, on comprend. Quand on vient d'une tournée, ça s'explique. Mais moi, j'aimerais saluer ici l'élan pris par le chef de l'État. Vous avez eu le privilège de le rencontrer. J'aimerais saluer son ouverture d'esprit. D'accord. Et j'aimerais l'encourager à ne pas reculer. Très bien. On a connu un Léopold II, il est parti. Le nouveau Léopold II ne va pas nous embrigader. Merci beaucoup pour son édifice. Le Congo a besoin de la participation de nous tous. Dans les pires moments de l'histoire de chaque pays, il est important de voir l'intérêt du pays, l'intérêt du Congo, pas l'intérêt des individus. Ne pas défendre un individu ou un président, mais défendre le Congo. Où est l'intérêt du Congo aujourd'hui? C'est défendre la nation ou défendre les individus? Si vous arrivez à bien répondre à cette question, vous saurez toujours vous positionner dans la vie au regard de l'intérêt et du bien commun. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.